Paul, il y a du courrier pour toi. Ouais, j'arrive, je finis un truc. Alors? Je suis pris dans deux écoles, une ici et l'autre à Dunkerque. Et tu vas choisir laquelle? Je sais pas encore. Pas obligé de rester ici, tu sais. Dunkerque, c'est bien aussi. Oui, je sais, mais en fait, je sais pas laquelle choisir, c'est ça. T'as peut-être aussi envie d'être seule, d'être indépendante, normale à ton âge. Toi, quoi que tu choisisses, ton père et moi, on est d'accord, tu sais. Merci, maman. Je vais réfléchir. Allô? Bonjour mon chéri, c'est maman, ça va? Ouais, ça va et toi? Est-ce que tu te déranges? Tu veux que je te rappelle plus tard? Non, non. Non, non, t'inquiète, c'est bon, j'étais juste en train de travailler un peu pour les cours. Je peux faire une pause, hein. Bon, d'accord. Ça va, papa et toi? Oui, enfin, pas vraiment. C'est pour ça que je t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est à la brasserie. Ton père se fait vieux, ça marche plus très bien, c'est difficile. Je peux faire quelque chose? On en a discuté, s'est dit qu'il faudrait que tu voies pour des aides sociales ou un petit boulot, quelque chose comme ça, pour nous décharger un peu, tu comprends? Ouais, comme si j'avais pas assez de trucs à faire en fait. Oh, ça va, et nous aussi, hein, grandis un peu. Je suis sûre que tes camarades gèrent eux-mêmes leurs finances et leurs démarches, hein. Ouais, ok, je verrai. Ok. Bon, sinon, quoi de neuf? Bah pas grand chose, écoute, je me suis fait des potes. On est tous sortis. Toute façon, on n'ira pas son truc de merde.
Paul? 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 Est-ce que ça va? Faut vous sortir un peu, faut prendre l'air. Ça va vous faire du bien. Même votre mère est là. Paul, arrête. Laisse-toi faire, laisse-les faire. Paul, on passe à table. J'arrive. Salut. Merci. Alors, cette première semaine de cours, ça te plaît? C'est un peu tôt pour dire, je pense, mais c'est cool. Je me suis fait des potes. Mais les profs, c'est insupportable, ils arrêtent pas de nous rabâcher qu'on n'aura pas de débouchés, donc... Ça, je t'avais prévenu, hein. Ouais, mais je pense que c'est juste pour faire une sélection. Ils essayent d'en décourager un max, à mon avis. Si tu le dis. Au fait, ça te dérange si je suis pas là le week-end prochain? On va aller à la mer avec des potes. Non, pas du tout. Je faisais la même chose à ton âge. J'espère que tu t'amuseras bien. Cool, merci. Paul, on a discuté avec ton père. Tes études, elles coûtent cher. Le matériel dont t'as besoin aussi. Et au restaurant, ça marche plus trop bien. Ton père, il est fatigué. Le service est plus lent. Les clients se plaignent et ils reviennent pas. On peut pas continuer comme ça. Après, il y a plusieurs solutions. Soit tu prends un travail et ça nous permet de nous alléger financièrement. Soit tu viens nous aider au restaurant. Et peut-être que les clients reviendront. Mais mes études? On te dit pas de les arrêter. Tu serais pas le premier à travailler et en même temps suivre tes études. Mmh, ouais. Et puis, ça pourrait te faire de bien de gagner ton propre argent. On sait jamais. Le travail pourrait même te plaire. Ouais, peut-être. Pas de regret? Aucun. Parfait! À nous la retraite pénale! Manquerait plus que ça, je vous ai aidé, maintenant c'est à vous. C'est bon, vous voilà propriétaire. Ouais. Félicitations.